tranquille moi. Attendez que je mette, comment on appelle ça, ma connexion, ma propre connexion. Voilà, je préfère avec ma propre connexion. Tranquille. Est-ce que mes lolo boss sont là? On est calé. Tranquille. On va se causer. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc il faille bien que la prophétesse Anne vienne prêcher. Tranquillement, tranquille. J'espère que vous vous portez bien. Tranquille. Est-ce que ça va? Ouh, on me voit. Tranquille. Est-ce qu'on me voit? Tranquillement, tranquille. Ah, ça va se casser. Tranquille. Je vais vous demander de bien vous asseoir. On est popo dico. À chacun son tabouret, s'il vous plaît. Asseyez-vous confortablement. Parce que la parisienne Lolo Beauté est dans la place. Big up au grand frère. Maman a deux avions. Ce matin, big up au grand frère Yaka Yaka de le Paris. Patriarche. Le patriarche de la Yaka Gang. Asseyez-vous, parce qu'aujourd'hui, il y a une délivrance qui va s'opérer. Très bonne délivrance. Crie amen. Amen. Parce que quand Lolo Beauté boss prend la parole, il n'y a que de délivrance. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, mais je ne vois pas, attendez, les lumières. J'enlève les lunettes, s'il vous plaît. Ouh, oh là là. Le teint de ça. Tranquille. Une note sur 10 sur le teint de Lolo Beauté. Oh, t'as 20 sur 10 là-bas. Vous savez, dans la vie, on apprend toujours. Il y a mon grand frère Yaka Yaka qui me disait, ma petite soeur Lolo Beauté, tu es une millionnaire. Comporte-toi comme une millionnaire. Habille-toi. Aie de la prestance. Je ne veux plus te voir en bas de manioc, un peu de négligence, je n'aime pas ça. Voilà, assume ton corps. Maman a 5 enfants. Tu as un très beau corps. Donc, mets-toi toujours chic et propre. Donc, ce matin, les Lolo Boss, dites encore merci au grand frère Yaka Yaka de Paris. Big up. Qui me procure de très bons coups de relooking. Tranquillement, tranquille. Toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le grand frère Yaka Yaka, avec ta permission, je te fais un gros bisou. Tranquille. Aujourd'hui, nous allons passer à la phase de la vitesse supérieure. En tout cas, je vous ai toujours dit, quand Lolo Beauté est en direct, ne vous faites pas prier. Hey. Je vous ai toujours dit, Lolo Beauté a acheté un deuxième téléphone pour toutes les personnes qui partageront au maximum le direct de Lolo Beauté, verront leur nom cité dans le direct de Lolo Beauté et répartiront avec une gamme de produits offerts par Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Donc, dès à présent, tu commences à partager le direct de Lolo Beauté pour que ton nom puisse être cité et que tu puisses répartir avec la gamme tranquillement, tranquille de Lolo Beauté. Tranquille. S'il te plaît, tu peux me mettre la chanson le temps que les personnes partagent. S'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, attends, s'il te plaît. J'ai une remise à niveau à faire à certaines personnes. Tranquille. Je vous ai toujours dit, Lady Sonia, comme moi je dis, je le fais. Lady Sonia, je t'ai dit que j'arrivais. Vous ne voyez pas que je suis en train d'arriver. En tout cas, tu arrives. J'ai dit à Seri Dokas. Hey! Oui, à ta jumelle arrive. En tout cas, est-ce que je ne suis pas en train d'arriver? Tu arrives. Il faille bien qu'on soit des femmes déterminées. En tout cas. Des femmes qui obtiennent ce qu'elles veulent. Des femmes au haut niveau. Des femmes au haut niveau. Yes. On ne joue plus maintenant dans la basse-cour. Non. On joue maintenant dans la catégorie des grands. Yes. On joue maintenant dans la catégorie de l'élégance. Yes. On joue maintenant dans la catégorie de la manière de se tenir. Ouais. Tranquillement, tranquille. Ça ne vous fait pas plaisir de voir Lolo Beauté calme, tranquille, oulala, sexy, propre dans sa peau. La vie est à choix. La vie est à choix. Ne laisse pas les gens te rabaisser parce que tu es une étoile filante. Yes. Tu dois t'imposer, sois une femme d'impact. Sois une femme qui s'impose. Sois une femme qui sait ce qu'elle veut. En tout cas, commencez à partager le direct. Mm-hmm. Et puis s'il vous plaît, avec tout le respect, la musique viendra après. Parce que là, je suis déjà lancée. Vu que, voilà, je suis une femme d'affaires, je suis toujours dans les rendez-vous.
Mais ce matin, j'ai tenu à faire des délivrances. Non, mets-moi ma chanson, s'il te plaît, parce que je sens que ça va se casser. Tranquillement. Je vais vous montrer un peu les gammes de produits de Lolo Beauté. Toujours pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint chic, élégant, propre, comme pour Lady Boss de Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 00337 au 69 au 84 12 et au 27. On appelle ça le teint qui donne envie d'être lapé. Tranquille. Je vais vous montrer les produits de Lolo Beauté. Voilà, tous ces produits sont à remporter ce matin. Pour toutes les personnes qui partageront au maximum le direct de ce matin de Lolo Beauté. Tu partages le direct de Lolo Beauté, tu fais plusieurs captures d'écran et puis tu envoies à Lolo Beauté pour remporter l'une des gammes. La gamme de Lolo Beauté, vous voyez cette gamme-là, ça c'est une gamme. Hein. Il y a le gel douche, il y a la crème de visage, il y a le gommage, il y a le sérum, il y a le lait, il y a la lotion. Il y a tout ce qu'il faut pour une peau pour être plus que parfaite. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre comme pour Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Donc, voilà qui pour avoir dit. Une très belle peau. Donc commencez à partager le direct. Je vais citer votre nom tout à l'heure. Forme propre. Les jaloux vont maigrir. Convoquez-moi le Césario. Parce que j'ai deux mots à lui dire de la même famille. Les jaloux vont maigrir. Ah, il y a Lida qui dit danse un peu. Je n'aime pas trop cette chanson. Voilà, je n'aime pas trop cette chanson parce que ça donne envie de dormir. J'aime pas trop cette chanson, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas mettre ça à la fin, s'il te plaît. Tranquillement, tranquille. Toujours. Je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est tout. Vous vous rappelez avec moi que j'ai pris la défense de Yves Dero? Oui, oui. Tranquillement, oui. Tranquille. Je vais voir le nombre de partages. Je vais citer votre nom tout à l'heure. Partage. On partage au maximum pour voir son nom être cité. Vous savez, moi quand je prends la défense de quelqu'un, il y a toujours des retombées. Écoutez, je n'ai même pas encore parlé, vous transpirez. Hier, j'étais dans mon djabou-djabou en train de chercher mon agent dans plusieurs rendez-vous. Voilà, les jaloux vont maigrir, laissons les jaloux maigrir seuls. On m'appelle, on me dit Lolo Beauté. Il paraît que sur la toile, il y a eu des Facebook qui ont été piratés. Tranquillement, tranquille. Il y a eu des Facebook qui ont été piratés et on a entendu ton nom. Soit disant que c'est toi et Yves Dero. Vous avez envoyé des hackers pour pirater, comment on appelle ça, le Facebook d'une chanteuse ivoirienne. Bon, bref. Tranquille. Vous savez, dans la vie, quand on perd un débat, il faut assumer qu'on a perdu. Faut assumer. Vous savez, vous avez tellement mis des délits sur Lolo Beauté que aucun délit ne m'étonne venant de vous, les pauvres lots. Aucun délit, maman, ne m'étonne venant des pauvres lots. Ça ne m'étonne pas. Tranquillement, tranquille. Je suis assise dans mon coin en train de rouler ma petite voiture ici à Paris. On m'appelle pour me dire que oui, Lolo Beauté, vous avez piraté, comment on appelle ça, la page du Nadis. Maman, je suis allée, j'étais déjà l'artiste même a plagié.
Vous parlez de plagiat? J'ai dit, je suis la seule blogueuse internationale qui crée des mots. Maman, quand on dit créatrice de mots, c'est Lolo Beauté. Regardez un peu le mot tranquillement, tranquille. Toujours. On n'a jamais entendu dans la gueule de quelqu'un à part pour Lolo Beauté. Le mot tranquillement, tranquille, c'est le mot attitré de Lolo Beauté, certifié à l'OIP. C'est une marque de Lolo Beauté. Quand on dit quelqu'un a envie de créer quelque chose, viens voir Lolo Beauté. J'ai créé le mot, mettez ensemble tranquillement, tranquille. Le mot tranquillement, tranquille vient de la belle bouche et de la belle gueule de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Je me réveille, je vois que cet artiste a essayé de piager. Comment on dit ça même? Plager. De plager, comme on appelle ça mon perroquet. Maman, tu n'as pas eu peur de Lolo Beauté. L'artiste, ton compte n'a pas encore été bien piraté. Si on dit on met de la c'est Lolo Beauté. Mettez ça sur Lolo Beauté. Parce que moi, quand on me plage, je pirate. Oui. Je pirate et je piraterai. Tranquillement, tranquille. Pour ne rien comme ça, tu te lèves. Tu vas aller régler tes comptes avec Yves Dero. Carrément, c'est moi, mon perroquet. Toi, tu veux venir plager. Regarde, hey, ma petite. Tu entends? Tu entends? Impossible de plager mon perroquet de France. Maman, le perroquet qui voyageait en air. Vous avez vu un perroquet qui était en Afrique, qui a volé jusqu'à pour venir en Europe? Maman, les ailes de mon perroquet sont trop. Un perroquet qui plane, maman, qui allonge ses ailes, qui vole depuis Abidjan jusqu'en France. Pour son rôle de perroquet. Vous voyez les choses en plaisanterie. Tu n'as pas encore bien piraté. Tu crées encore une autre page que tu plages mon perroquet. Je piraterai. Boum. Tranquillement, tranquille. Bim. Boum, 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 boum. Tu es trop petite. Faut avoir un peu de rondeur. Voilà, même au moment de la beauté, j'étais sèche. J'ai eu un peu de rondeur. Tu as cherché jusqu'à... C'est sur mon perroquet, toi, tu es arrivé. Tu as cherché parmi tous les plagiats. Tu as dit non, moi, c'est la grande Lolo Boss. Que, il dit, partagez-moi le direct. Que toi, tu vas essayer de venir plager. Dis à ton perroquet que c'est une poisse pour toi. Ton perroquet, c'est un poisseur. C'est ton perroquet là, c'est un poisseur. Depuis que vous avez vu que Lolo Beauté a perroquet, vous avez une fois, ils ont plagié ma page. Jamais. Ou ils ont piraté ma page. Jamais. Quand on est trop plagieuse, on prend un vrai perroquet. Hey. Maman, mon perroquet est sanctifié par un esprit de non-plagiat. Tu plages mon perroquet, on pirate ta page. Tranquillement, tranquille. Donc fais gaffe. Hey. À ce que tu fais. En tout cas, tu as vu, tu as plagié mon perroquet la veille. Le lendemain, ta page n'a plus existé. Tu ne sais pas que le perroquet a un fan club. Quand on dit brouteur, le perroquet, tous les brouteurs de Côte d'Ivoire sont les fanatiques du perroquet. Merci. Le perroquet, tu penses que vous pensez que on peut se lever puis parler de n'importe qui ou plagier n'importe qui? Ma petite, tu es trop petite. Petite. Concentre-toi sur ta chanson. Petite. Concentre-toi, ma pépérotte. Ma pépérotte. En tout cas, on avait même forme. Hein. Voilà, nous, on est dans la même catégorie de sécheresse. Mm-hmm. Mais faut pas essayer de me copier. C'est que tu m'admires. Je sais que tu m'aimes, tu as envie d'être Lolo Beauté. Je sais que tu as envie de tricher un peu ma classe, ma manière d'être, ma manière de me foutre des buzz. Regardez. Moi, Lolo Beauté, je suis la seule qui a mené des guerres. Yes! Des guerres mondiales. En tout cas, Maman, j'ai mené des guerres mondiales. Donc, toi, un matin, tu te réveilles comme ça, sans guerre, sans préparation. Et puis, c'est mon perroquet, toi, tu es venu. Ta page, l'arrière, ça n'a pas encore été bien piraté. Plage encore le perroquet. Et tu verras de quel piratage il s'agit. Et je donne un avis, un garant à toutes les personnes qui sont de l'autre bord. Qui ont envie de venir plager le perroquet. Si tu veux que ta page soit fermée le lendemain en moins de 24 heures, plage le perroquet. Ta page sera définitivement fermée et rendue aux oubliettes. Tu penses que pour gagner les abonnés actuellement, là, c'est facile? Rien, comment tes vidéos ont été supprimées à une vitesse croisière d'un perroquet râle dans les airs? Attention. Répirate Lolo Beauté. Plage Lolo Beauté. Fais tout ce que tu veux à Lolo Beauté.
Mais ne touche pas à mon perroquet. Parce que qui s'y frotte se pique. 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 Le perroquet international qui pense qu'on peut s'élever comme ça d'un jour au lendemain. Partagez-moi le direct. J'ai cité votre nom. Et puis venez plager le perroquet. J'ai un exemple à tous les avis de plagiat. Tu plages mon perroquet, je ferme ta page. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent, je laisse les avantages à mes petits détracteurs de faire ma publicité. Voilà. Donc, mais une grosse tête qui me plaît, je ferme son Facebook. Yes. Vous pensez que vous parlez à qui? Hey. Je suis Lolo Beauté. Mmh. Celle qui a su s'imposer ici en France. Maman a chef d'entreprise. Yes. Et maman a deux avions. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Toujours. Vous pensez que je joue dans vos catégories de 2 à 5 francs à la temps passe? Hé, hey, Latis, on a joué temps passe ensemble. On a joué. C'est vous qui venez mentir sur votre âge là. Comme oui, moi j'ai 23 ans. Moi j'ai 22 ans. Moi j'ai 30 ans. Hey, si vous avez 30 ans, moi j'ai 18 ans. Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous les femmes, vous avez menti sur votre âge comme ça. Quand on est jeune vieille comme Lolo Beauté, on dit que je suis jeune vieille. Ça fait quoi? This is my child. Allez-y plager d'autres plageurs. Mais pas Lolo Beauté. Parce que moi, mon perroquet, tu touches à ça. Je ferme ta page Facebook. Tranquillement, tranquille. Donc demain, ton maudit de perroquet, là, viens faire ton palabre. Viens donner 2 mois à ton plageur, là. Le perroquet qui t'a plagé. Viens parler, parle-lui. Petit. Oui. Tu sais pas à qui tu veux te frotter. Eh oui. Tu sais pas à qui tu veux te frotter. Eh oui. Tu as rêvé de moi hier, non? Ah bon? Tenter et regretter. Il y a un mougou ton cul là. Ah bon? Il y a joie avec tes testicules. Master, continue. Tranquille, tu as entendu ton carin? Hein? Un perroquet qui sort de nulle part. Tu es venu plager mon perroquet. Et ça, c'est un avertissement. Attention. Hey. Attention, moi j'ai le droit de plager. Mais personne n'a le droit de me plager. Tranquille, tu as entendu les garants de mon perroquet? Sors encore ta queue. Je te la découpe à une fraction de minute. Maintenant, venons en fait. Le petit César. C'est pas devant vous, venez partager moi le direct. C'est pas devant vous ici, je suis venu dire que ce petit César. Toi-même, ton nom est plus âgé que toi des milliers de décennies. Donc ça veut dire que les démons qui habitent ton corps là sont trop. Il y a des personnes qui s'élèvent, qui disent que oui, vous voulez grouper sur le petit Réa. À 21 ans, le général était dans le foyer, sa femme. Donc toi, mon petit, là, tu n'es pas vierge, tu mougou femme. Vous parlez de quel petit, maman? Petit. C'est-à-dire quand vous les Ivoiriens, vous ne voulez pas aller travailler là. Vous êtes con dans la tête là. Soit en ce moment précis, vous êtes là. Non, l'enfant, le général s'est marié à 21 ans. Donc mon petit, à ton âge là, tu as mougou beaucoup de gros cons. Donc tu n'es pas un petit. Quand tu as une fois pris ta langue pour mettre un con de femme là, tu connais le goût de sperme de femme là, tu n'es pas un enfant. Yes. Viens nous dire si tu es vierge ou pas. Tu es puceau ou pas. Tu n'es pas puceau. Tu mougou con. Donc nous deux, on est la même chose. Quand un enfant a commencé à goûter au goût de con, tu n'es plus un enfant, tu es un vieillard. Donc dès qu'à 21 ans, parlons-nous, moi je me suis mariée, mon premier mariage, j'avais 19 ans. Yes. Je me considérais plus comme jeune. Yes. Je me considérais comme une femme au foyer propre. C'est clair. Je ne suis pas une jeune fille. C'est clair. Je suis une vieille jeune. Yes. Donc vous me parlez de quoi? Oui, toi le beauté, tu es en train de défendre, comme on appelle ça, Yves Dero, l'enfant là, il a eu son projet. De quel enfant? Demandez-lui s'il n'a jamais baisé femme. En tout cas, si tu n'as jamais baisé femme, tu es jeune, même si tu as 50 ans. Mais une fois que tu as enlevé ta braquette, avec lui là, mais quand je le regarde, de toute façon, tu es mince là, tu as une grosse pile. Yeah. Regardez-le bien. Sa manière de s'asseoir. Tu sais que lui là, c'est pas les filles de son âge qui cherchent. Je t'ai dit. Hein. C'est les vieilles gnagnies qui cherchent. Mais derrière son raisonnement, toi-même, vous ne savez pas qu'il y a des enfants de 3 ans qui ont comportement des vieux de 50 ans. Vérité. C'est-à-dire toi-même, ton âge même te dépasse. Toi-même, quand tu raisonnes, on dit, moi, tu es l'enfant, il a 21 ans. Il n'a pas 45 ans par hasard. Ou bien 41 ans. Regarde, même 30 ans encore sur ton âge. Parce que tu as le raisonnement des vieux. Toi, là, tu mougou les gnaïs. Hein? Tu mougou les gnaïs. Tu n'es pas un enfant. Donc, ça m'a l'air de cet élément. Mais quand j'ai bien regardé dans tes chambres, il sait qu'il a une grosse pine. Il t'a dit, hein? Un enfant comme cela, un jeune vieux qui a une grosse tôle comme cela, là, qui ne baisse pas sa catégorie, ça va dans les 30 ans, 40 ans. Oui, donc tu n'es pas un enfant. Je vais te parler comme un baiseur parce que tu n'es pas puceau. Regardez-moi ce menteur là. C'est qui vient
ce jour, vous savez, il y a des enfants là, on les réunit de la famille parce qu'on voit l'esprit de la sorcellerie. Je ne vous ai pas dit ici que l'enfant là, il avait déjà un esprit de sorcellerie depuis le couille de son papa. Tu as dit. Je ne vous ai pas dit ici qu'il avait un esprit de sorcellerie depuis le couille de son papa. Tu as dit. Toi, tu t'en vas faire réunion. Comment on appelle ça au Burita 1. Tu traites les gens de Burita des loups. Mon frère, tu as des loups, moi, hein. Toi, et ta dentition. On dirait escalier, mes escaliers là. Ta dentition, on dirait mes escaliers là. C'est-à-dire, toi-même là, tu te lèves, hein. Le petit conduit, on l'a plagié là. Tu t'en vas dire là-bas que oui, j'étais entouré de loups. Donc, toi, tu étais quoi? Un agneau, imbécile que tu sois. Toi, tu étais un agneau. Et en plus, encore, il sort de la réunion. Après avoir demandé pardon à Yves Dero, il se joue à la petite caniche. Que oui, j'étais entouré des loups, mon frère. Même si on t'avait interdit de filmer, tu pouvais enregistrer. C'est clair. Tu as dit, toi-même, tu penses, toi-même, tu dis que tu es intelligent. Que toi, tu es un créateur de concepts. Que toi, tu as dit, quand on regarde même là, toi, tu es l'intelligence de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Con, oui. Toi, tu peux être l'intelligence de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Jamais. Et que tu n'as pas eu l'intelligence de faire un enregistrement. On t'a interdit de filmer. Oui. Et Lidero a assumé qu'elle a filmé. Tu pouvais enregistrer. La partie où tu allais dire à la cousine de Yves Dero, que lui, Yves Dero dit, et puis un papa, toi-même, tu es un enfant, tu es un sorcier. Un jeune qui met deux cousines en palabre, tu es un sorcier. Et tu es un sorcier. Tu sors de la réunion, tu t'en vas. A même t'appeler la cousine de Yves Dero. Hey. Oui, Yves Dero, en tout cas, elle a dit là-bas à la réunion là, que oui, que tu dormais chez elle en France. Hey, où est la preuve de ce que tu es en train de dire, menteur? Un jeune de 21 ans qui a un comportement lourd d'un jeune de 71 ans. Toi, tu es un jeune de... C'est-à-dire, toi, tu as la créativité de diviser les gens. C'est clair. Un, tu allais mettre les deux cousines en palabre. Tu es sorti groupe comme tu allais vendre la cousine de Yves Dero. Tu sors, tu dis non, Yves Dero dit que tu dormais chez elle. Un lourd mensonge. Ça, c'est déjà un. Tu as déjà mis deux cousines en guerre. Maintenant, éloge le chauffe. Toi, avec ta tête, on dirait casserole d'une vieille femme qui a duré au feu, là. Toi aussi, tu t'en te mettre aussi dans cette histoire-là. Et comment on appelle ça? Non, j'ai fait sa publicité. Tu sais comment j'insulte? Je n'insulte pas. Non, le vrai, les intelligents, ils comprennent. Faut pas venir gâter mon beige. Éloge ta tête chauve. André a, comment on appelle ça, fesse de bébé d'un nouveau-né. Ta tête chauve. André, fesse. Quand on est en train de nettoyer le cuir d'un nouveau-né, là. Lisse comme cela, sans poil. Toi aussi, tu t'as encouragé les jeunes, là. A dit allez-y au Burida, allez-y. Pourtant, il veut de remanger toi. C'est clair. L'enfant se tient à une émission et puis dit, la personne qui nous a mis, qui nous a dit on n'a qu'à aller au Burida, c'est le chauve de toute la Côte d'Ivoire. Éloge, fais ce magazine le vrai. Éloge, fais ce magazine le vrai. C'est-à-dire toi là, les gens qui sont chauves là. C'est-à-dire quand Dieu crée des personnes qui sont chauves là, sans cheveux là, c'est trois points de suspension. Parce qu'une personne qui naît sans cheveux, grandit sans cheveux, vieillit sans cheveux, question. C'est compliqué. Question. Partagez-moi le direct au maximum, viens citer votre nom. Tous ces gammes que j'ai mis à terre, là, je vais vous partager. Yes. Donc toi, éloge, ta tête en direct cuit d'un bébé, un nouveau-né de un jour là. Toi aussi, tu sens encourager les gens à aller porter. Hey, quand toi, tu as eu ton problème avec ton voleur de cousin là, je crois qu'Yves Dero a changé ce problème-là. C'est clair. Quand on est vieux, on résout les problèmes. Et nous, on est diffamés. Maintenant, toi, le petit sorcier depuis les couilles de ton père. Le macoucou. Toi, tu dis que oui, toi, tu as créé une émission. Tu as créé quoi? C'est-à-dire, toi, tu pour toi, là. Ton émission, tu as créé, là. C'était chaise de funérailles. Chaise de funérailles. Toi, tu as dit, je crée une émission, je mets chaise de funérailles. Bon, il vient venir dire non, moi, je mets chaise d'église, des pasteurs. Bon, tu vois pas quand même les chaises là, mais il n'y a pas plagiat. Chaises de roi et de reine. C'est-à-dire, en matière même de chaises, même là, il n'y a pas plagiat. Tu crées un concept inachevé. C'est-à-dire, moment ton émission là, même là, si ce n'était pas à cause de l'affaire de Yves Dero là, on n'allait jamais entendre parler de toi. Une émission, moment inachevée. Une émission qui te donne bruit aux oreilles. Tu penses qu'il y a des gens qui ont envie de venir s'asseoir pour écouter le problème des pauvres. Chacun de nous-mêmes, on a un problème. Moi, j'ai venu m'asseoir pour venir écouter. Comment on appelle ça, quelqu'un qui s'assoit dans chaise de funérailles pour venir. Rien. Il y avait un esprit de mort dans ton émission. Petit. Je te dis que je suis une prophétesse. Je vois très loin. Petit. Je te parle. La chaise que tu prends pour faire l'émission, la change. Il y a un esprit de mort et de non-accomplissement dessus. Vérité. Change le fauteuil. Toi, tes amis font des émissions. La première émission qui a été créée sur TV2, Miel Mortel,
Rien, miel mortel, c'est pas chaise de funérailles en propre. Hé, hey, vous qui partez vous asseoir dans les émissions sur chaise de funérailles, posez-vous la question. Hein. Après, vous finissez de faire les émissions, après, vous avez un esprit de non-accomplissement. Votre vie, toi-même, tu as problème, tu viens expliquer ton problème. Hey. Et puis, on te dit, faut t'asseoir sur chaise de funérailles, tu ça vois pas la mort. Ça sent pire. Ton problème va s'aggraver encore en plus. Et si vous asseoir dans chaise royale là-bas, allez expliquer vos problèmes. C'est toujours vous qui avez toujours des problèmes à expliquer. Moi là, j'avais créé cette émission aussi. Il y a des gens qui m'appelaient pour expliquer leurs problèmes. Mais vous savez, moi j'ai dit, c'est une prophétesse. J'ai dit, Lolo Beauté, à force d'écouter les problèmes des autres là, tu vas te faire du mal. C'est vrai. Même Yves Dero, c'est qu'il était. Comme c'est une émission que tu aimes, il faut faire, mais il faut beaucoup prier. Faut prier, hein. Faut beaucoup faire des prières. Faut prier. Tu es devenu musulman maintenant, faut beaucoup avoir des sourats cachés. Comment on appelle ça même? Les sourats, faut beaucoup prier. Les sourats. Parce que quand tu crées une émission où les gens viennent beaucoup expliquer leurs problèmes, bah fini toi, mais tu commences à avoir beaucoup de problèmes. Dès que tu as commencé ce truc, voilà problème. Yes, c'est vrai. Dès que tu as commencé l'émission à expliquer le problème des gens, voilà problème. Voilà problème. Je suis ta grande soeur, Ilibero. Je suis vieille, oui. Moi, j'assume ma vieillesse. Yes. Je te donne des conseils en tant qu'une petite soeur. Quand tu finis chaque émission, on va faire des prières. Et puis faire beaucoup des offrandes aux femmes qui s'asseyent à côté de la mosquée. Là. On dit sacrifice. Fais des sacrifices. De faire beaucoup de sacrifices pour cette émission-là. Parce que dès que tu as commencé ce projet-là, tu as eu un grave problème. Mm-hmm. Parce que trop écouter le problème des gens, ça attire la malédiction. Mm-hmm. Voilà pourquoi mon Lolo Beauté, là. Mm-hmm. Je n'écoute pas les vidéos des pauvres. En tout cas, bon, je vais écouter les vidéos de pauvres. Mm-hmm. Quelqu'un qui a des problèmes. Mm-hmm. Quelqu'un même qui ne s'en sort pas. Mm-hmm. Quelqu'un même qui ne travaille pas. Mm-hmm. Quelqu'un même qui ne se bouge pas les poils. Mm-hmm. Quelqu'un même que sa vie chauffe pas. Sa vie est mélangée. Bon, je vais aller m'asseoir et écouter tes directs. Bon, qu'est-ce que je vais apprendre dedans? Jamais. Je vais devenir encore plus pauvre. Ah. Venez écouter les directs de Lolo Beauté où ils te disent, rase tes poils et puis va travailler. Comme tes soeurs. Parce que de la manière dont Lolo Beauté bosse, c'est comme ça toi aussi tu peux bosser pour devenir quelqu'un. Crie amen. Amen. Donc le petit qui était déjà sorcier depuis le couille, c'est-à-dire toi, mais tu étais un spermatozoïde, mais un spermatozoïde, mais déjà sorcier. Tu as mélangé Yves Dero et sa cousine. Tu as mélangé Yves Dero avec Elonge, le chauve, le plus chauve de Côte d'Ivoire, fesse de bébé. Tête André, fesse de bébé. Tu les as mélangés. Mm-hmm. C'est-à-dire pour un seul problème là, tu as impliqué des gens. Bon, l'artiste là, toi tu dis que toi tu es un jeune. Toi tu n'es pas calculateur. Mm-hmm. Toi tu n'es pas, toi tu es un signe. Mm-hmm. Moi quand je vois des petits sorciers là, je les connais de loin. Partagez-moi le direct. C'est partagé. Toi tu dis que tu es signe, mais que je suis Yves Dero. Toi tu dis que tu es signe. Mais Yves Dero avec cet artiste, ils ont eu des problèmes. Pourquoi quand tu as eu le problème net, tu t'as appelé l'artiste pour dire qu'il faut venir faire vidéo, tu t'as lui expliqué. Bon, elle est ta marraine. Bon, dans ton projet là, l'artiste là, elle est quoi dedans? À cause de toi là, tellement que tu es un jeune poisseur, et méfiez-vous des jeunes. Vous êtes en train de faire les cagnottes là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de rêves. Quand tu donnes ton argent à un poisseur, tu vas avoir des problèmes. Je n'ai pas dit de ne pas aller cotiser pour lui. Je m'en lave les mains. Mais quand on cotise pour donner à quelqu'un, regardez bien sa vie. Tu as dit à la latisse, elle n'a pas venu parler rien. Son Facebook est fermé. Tu as créé. Il a été bloqué. C'est-à-dire, toi-même, tu es intelligent. Tu n'as pas pu stopper le blocage de son Facebook. Uh-huh. Regardez, dès que la fille a mis son affaire dans la fête de bouche de Yves Dero net. Tu sais, pour créer une page, il y a combien d'efforts pour trouver les abonnés, c'est-à-dire toi tu es un petit, tu es un maudit. En tout cas, en toute sincérité, tu dois avoir une petite malédiction. On doit t'envoyer pour aller voir le général. Oui, oui, oui. Le général doit prier pour toi. Parce que tout ce que tu touches, il y a problème. En tout cas, question. Tout ce que tu touches, tu as problème. Tu allais frapper à la porte de la cousine. Elle a créé, tu as créé un problème. Il y a des secrets qui sont sortis là-bas, les secrets d'affaires de venir gratouiller les portes pour que une bite descende. Il y a affaire qui est sorti, on dit ouais, il y a quelqu'un qui venait chercher garçon derrière pas des vidéos. Hé mon petit. Petit. Tu es une source de problème. Deuxième, tu allais chercher Eloge, Fesse Magazine, la tête la plus chauve. Lolo Beauté est venu. Toi Eloge, toi tu ne me connais pas. Hein? Réa, quand nous les bonnes personnes on est en train de parler là, toi il faut fermer ta gueule. Tu n'as pas dit cela, il faut se méfier des personnes qui sont miam, 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 miam. Ils travaillent en bas. Les personnes chauves là, il faut se méfier d'eux. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu les a créés sans cheveux. Donc il faut beaucoup te méfier d'eux. C'est toi qui encourages maintenant les jeunes à aller porter plainte. Mais quand ton frère t'a arraché sa page là, tu étais où? Et quand tu pleurais, non? Hey,
quand on est un garçon, on pleure, beaucoup lors d'une émission là. C'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Méfiez-vous de lui. Allez-y, vous abonnez beaucoup. Ah, comment on appelle ça? Face magazine, le vrai. Sa tête, on dirait. Un enfant qui a chié dans la couche, on a enlevé la couche et puis on a nettoyé ses fesses. C'est lisse là. Pas, avec pas, lingette. Toi, faut te méfier. Parce que si un jour il descend sur toi là, tu vas avoir assez d'abonnés. Tranquillement, tranquille, je t'aime bien, oui. Je ne vais pas nier que je t'aime. Mais mon amour, je dois te dire la vérité vivante. Yes. Comme si on a dit, il ne faut pas attendre qu'on meure pour dire que hey, si je savais de moi, je te dis la vérité vivante. Oui. Tu as une tête chauffe et tu es une traite. Éloge, tu es une traite. Aujourd'hui, tu es une traite. Va demander pardon à une vidéo. Tu es une traite. Avec sa tête, on dirait un mangue non mûr. Hé, hey, je te guette. Fais attention. Comment? Je vous donne sa page. C'est Face Magazine le vrai. Celui qui dirige ça, elle a une tête chauve. Si on verse même pétrole dessus, on n'a pas besoin d'allumettes. Ça s'allume en même temps. Yeah. Je te dis, maintenant, là, les fêtes maintenant de 31 décembre, là, on va dire au président de ne plus aller chercher, comme on appelle ça, des feux d'artifice. C'est ta tête là, on va mettre du lien dessus. Et puis on va allumer des braises. Ça va éclairer même toute la Côte d'Ivoire. Yeah. C'est ça, c'est toi là. Toi-même, tu es arrivé pour éclairer les Ivoiriens. Et ta tête chauve là. Demain encore, on va te mêler des problèmes des gens. Tranquillement, tranquille. Toujours. Donc, mon petit, partagez-moi le direct. J'en viens à toi. J'ai dit, depuis les testicules de ton papa, depuis que tu étais spermatozoïde, tu bouillais comme ça dans les testicules de ton papa. Je vais sortir. Je vais sortir. Les testicules de ton papa étaient gonflés comme cela. C'est un semaine de troubles. Toi, tu peux mettre deux pays en guerre. Non, deux nations en guerre. Non, troisième, quatrième guerre mondiale. Vous voyez, méfiez-vous, il y a un petit là, dans un pays là. Il allait détourner combien de milliards d'euros pour mettre sur compte de son papa. C'est de ça qu'on parle intelligemment. Toi, tu es un petit sorcier. Quand on me dit un jeune intelligent en Côte d'Ivoire, il dit, il a créé quoi? Il a créé quoi? Parce qu'il y a des sorciers, et ils créent une émission pour venir diviser tout un pays. Regardez sur Internet, il y a d'autres personnes qui disent, je suis avec Yves Dero. L'autre dit, non, rien. Ceux qui ne sont pas avec Yves Dero, c'est les pauvres. C'est les pauvres lots et des personnes qui ont échoué leur vie. Quand quelqu'un n'a pas envie de réussir là, il s'en va fouiller dans le passé de d'autres personnes. Vérité. Toi, Yves Dero, tu es qui? Tu dormais dans les HLM, tu dormais dans les trucs. Oui, c'est pas grave. Il n'y a pas de vous qui commentez, hein. Parce que les autres, ils ont déjà réglé leurs problèmes. Yes. Moi, quand deux personnes ont réglé leurs problèmes, je ne mets plus ma gueule c'est dedans. Clair. Parce que le problème était déjà réglé. Yves, c'est ma personne. Tu t'attaques à Yves, je mets en tête qu'elle a raison. Il y a un petit trou de raison, je suis avec elle. Aujourd'hui et demain, moi, je ne suis pas une fuyarde. Je suis une véridique. Vous partez fouiller dans le passé de la personne. Voilà ce que la personne était. Voilà ses anciennes photos. Voilà ce qu'elle est. Non, on dit c'est le passé. On parle du présent et du futur. Yes. Yves Dero n'a jamais dit qu'elle est née avec une cuillère en argent. Lolo Beauté ne vous a jamais dit qu'elle est née avec une cuillère en argent. Clair. On vous a jamais dit qu'on est né riche. Mais on a su se battre et puis s'imposer. Pourquoi vous ça fait mal? Quand quelqu'un a su se battre et puis s'imposer là, pourquoi il y a d'autres personnes ça les fait mal? Je vois des prostituées sur les réseaux sociaux. Bon, toi-même, ta prostitution ne t'a pas encore écouté. Tu n'as même pas encore eu ta recette pour payer ta maison. Toi aussi, tu as venu parler de Yves Dero. Hé, la putain là. Toi aussi, tu as venu parler de Yves Dero. Que Yves Dero voleuse. Mais toi, depuis tu voles les spermes des garçons là, pour mettre dans ton trou là, toi, tu n'as pas encore traité de voleuse. Hein? Yeah. Parce que toi, tu sécurises tous les spermes des garçons dans ton nien. Yeah. On t'a pas encore traité de voleuse. Hein? Cette émission existait depuis des décennies. Des lustres. C'est pas aujourd'hui cette émission-là existe. C'est clair. Même moi-même, Lolo Beauté, je me suis adonné un peu à cette émission-là. Mais ma soeur, je suis quittée dedans avec le feu. Parce que trop écouter problème des gens, ça te fait dérouter de tes objectifs. Vérité. Parce qu'il y a des gens qui comment ça s'appelle ça, qui s'est levé. Non, Lolo Beauté, j'ai tel problème. Il y a une qui m'a appelé. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu. Il y a une qui m'a appelé. Voilà le ciel et la terre. Elle me dit, oui, Lolo, voilà, j'ai fait un enfant avec un monsieur français. En même temps, je vous donne un conseil, asseyez-vous. Vous qui n'avez pas encore des papiers, qui aspirez à avoir des papiers, là, je vais vous donner un conseil monumental. Arrêtez-nous. Faut donner. Quand tu n'es pas française, là, quand tu n'as pas encore titre de séjour, là, et que tu te fais enceinter par un français là. Et quand tu as eu ta première carte de titre de séjour, l'affaire n'est pas encore gagnée. La femme m'a appelé. Elle dit, Lolo Beauté, j'ai des problèmes. J'ai dit, tu as quel problème? Elle dit, les gens t'ont insulté. Que oui, ils vont arracher tes papiers. Que oui, tu as fait du faux.
Quand, et puis la plupart des fausseurs, là, ils voient le faux partout. Je t'ai dit, hein. La plupart des gens qui ont fait des magouilles pour avoir les papiers. C'est-à-dire quand quelqu'un a son papier, oh, t'as fait du faux. Bon, nous on a fait du faux. C'est pas grave. C'est pas on grave. A toujours nos papiers, on va mourir français. Yes. Mais toi, tu n'as pas fait du faux, là. Regarde ta vie. Oh, misérable. Regarde ta vie. Oh, comment ça est? La femme m'appelle, écoutez-moi bien. Vous qui avez eu titre de séjour un an, et vous pensez que tout est encore acquis, là, c'est pas encore acquis. C'est clair. La femme m'appelle en pleurs. Lolo. J'avais eu un an d'études de séjour. Vous voyez comment les femmes sont mauvaises. Mm-hmm. Quand les hommes ont pitié de vous pour vous donner un peu leur sperme là, et qu'ils sont français là, toi tu as eu une première fois ton titre de séjour. Mm-hmm. Tu n'étais pas encore enseigné. Réellement, Lolo Boté, ça fait 3 ans ici. Mm-hmm. Quand je suis venu là, en 6 mois, moi j'ai eu mes papiers. Propre. Je suis allé à Abidjan, je suis revenu. Il y a d'autres qui se sont levés. Parce que Lolo Boté insultait les certaines Ivoiriennes. On va aller marcher à la. Quand on dit la préfecture la plus stricte ici en France là. Mm-hmm. Pourquoi il y a beaucoup qui ne connaissent pas hein? Uh-huh. Quand on dit la préfecture des riches, voilà. Et la préfecture la plus stricte, c'est Nanterre. Je suis dans le 92-400 pour voir. Ma préfecture, c'est Nanterre. Là-bas, ils t'ont donné ton papier. C'est qu'ils ont fini de mener enquête sur toi, ils sont fatigués. La préfecture la plus compliquée, c'est pas dans vos paris, dans vos campagnes. Hein? On dit préfecture de Nanterre, la plus compliquée. Allez-y, marcher à Nanterre, il y a payé de l'eau pour vous donner. Allez-y marcher à Nanterre. Yeah. Je vais payer Nanchigui pour vous donner. Yeah. Je vais vous purger mes médicaments de coco. Je voyais les boniches de ma famille, les Léonards. On va organiser une marche. Ils vont t'arracher rien. Moi-même, Macron, j'ai dit sur la toile. Macron, le président de la République de la France, il n'a qu'à essayer, il va voir. Il n'a qu'à essayer, à connaître pas, à demander. C'est les nouvelles personnes qui sont arrivées en France, vous pouvez les influencer, mais pas mon Lolo Boté. Quand une personne arrive en France, quand la personne commence à s'en sortir, quand moi j'étais enceinte de mes jumelles, toi là tu es venu caler en France ici, tu penses que tu as un papier? Bon, j'ai eu papier. Bima. Toi tu es calé en France, c'est le travail de servant que tu as fait. Yes, société. Yes. Toi tu es venu en France, tu dis maman, on te voit à la CAF. Je dis mais oui, vous savez la photo de la CAF là, venons en ça. Tu as la photo, non, fais sortir la photo. J'ai la photo. Montrer. Comment une pauvre s'est cachée en 2018, ouais, c'était en comment on appelle septembre, octobre, novembre 2000, c'était en non, il a accouché en juillet, août, c'était en août 2018. Je venais d'accoucher, ça faisait un mois. Le grand frère Yaka m'a envoyé la photo. Le grand frère Yaka Yaka, c'est lui qui a mis la photo là sur internet parce qu'on était en palabre. Il dit non, la beauté, tu t'as la moi la quand je suis venu en France. Dès que mes papiers sont sortis net, j'ai déclaré mon entreprise. Parce qu'il faut tes papiers pour déclarer. Parce que je savais qu'il y avait des moutonniers à côté qui vont dire que oui, toi, Lolo Boté, rien. En France, ici, là, tout enfant né en France, c'est une obligation de déclarer ça à la CAF. Volu! Je vous répète, parce que comme vous êtes trop pauvre, vous partez à la CAF pour dire donnez-moi l'argent, non, aidez-moi à avoir APL, non, aidez-moi, vous pensez que tout le monde est la même chose. Même président déclare son enfant à la CAF, oui. C'est pas pour dire que c'est la CAF qui le nourrit. Non. Vous savez comment je me suis retrouvé à la CAF? J'allais faire mes papiers, oui. Je vous dis, moi, quand moi, je dis là, je parle les preuves. Puis combien moi, dit, là, de jours après l'accouchement? Un mois après mon accouchement, j'ai fini de faire le passeport de mes enfants. Ah, mais, c'est-à-dire quand j'ai fini de faire le passeport, je n'étais pas encore parti à la préfecture. Parce qu'il faut attendre que tes enfants aient leur passeport ou même leur carte d'identité français avant que toi-même, tu dois être tes papiers avant d'aller à la CAF. Pour aller déclarer, écoutez-moi bien. Il a dit quand les moutons parlent, laissez la princesse, celle qui est allée à l'école s'exprimer. Yes. La photo, envoie-moi la photo. La photo que vous avez vue là, j'avais un mois d'accouchement des jumelles. Vous voyez comment j'étais fouet là, j'étais très maigre, très affaibli. J'ai dit au papa de mes enfants, parce que comment on appelle ça? Regardez, vous montrez un peu. Vous allez voir, il n'y a même pas cuit même. Je vais vous montrer un peu la photo de Lolo Boté à un mois de son accouchement. Me voilà ici. Je n'avais même pas la force même de pommader mon dos. Je ne pouvais même pas me tenir même sur mes pieds. Parce que j'ai accouché de césarienne. Me voilà ici à un mois de mon accouchement. Tranquille. Moi, je ne cache pas ma vie. Il y a une deuxième photo encore. Moi, on voit bien mon visage. Je n'avais même pas le temps même de faire mes cheveux. Viens m'aider s'il te plaît. Avec plaisir. Pause publicité, je vais vous expliquer un peu. Tranquille, moi je ne vis pas de la CAF. Hein. Je suis riche. Je suis milliardaire. Yes! Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir le teint propre de Lolo Beauté, que tu sois noir, clair, métisse,
tu contactes Lolo Beauté au 00337 au 69 au 84. Cherche la deuxième photo. Oui. Le 0, va sur la page. C'est le seul qui a publié. Déjà, vous aimez la page de Yaka Yaka. Vous partez fouiller les anciens classes de Yaka Yaka pour venir dire que c'est une nouvelle photo. Ça, c'est 2018. 00337 au 69 au 84 au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00220. Regardez. Il y a un monsieur là. Attendez. Là, il y a un monsieur, ils ont caché son visage. Il travaille à la CAF. Vous voyez comment je le regardais, non, je comprends. J'étais bleu dans ce qu'il me disait. Mm-hmm. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé là-bas, à la CAF là. Je ne connaissais même pas la route. Parce que je suis chef d'entreprise. Yes! Quand tu fais tes papiers à la préfecture là. Pour expliquer. Je suis allé à la préfecture à mon premier rendez-vous. Écoutez-moi bien. Parce que moi là, je ne suis pas dépendant de la CAF. Au contraire, c'est nous on paye un peu, puis on vous nourrit, vous les pauvres. Là. Yes! Quand je suis allé. Et puis cette photo, quand vous avez, mais vous savez que c'est Lolo Beauté avant, hein, 2018. Un mois de mon accouchement est césarienne. Moi, quand j'ai accouché de mes jumelles, une semaine, j'ai commencé à faire vidéo. Vérité, les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Il y a des personnes qui se sont étonnées, qui ont dit, comment on appelle ça? Lolo, comment toi tu as accouché une semaine, tu dis, mais je dois manger. Moi, je suis pas une paresseuse. Ça aurait été d'autres femmes ici en France. Parce qu'elles ont accouché des jumelles, elles vont se trimballer d'assistance sociale en assistance sociale. Pour dire que je ne sais pas où dormir, où loger, hey. Pour prendre tes enfants pour faire sacrifice de l'Europe. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, mes enfants ne seront pas, comme on appelle ça, le sacrifice de l'Europe. Merci. Moi, mes enfants, là, sont des 10. Elles ont une mère millionnaire. J'arrive à la préfecture pour mon premier rendez-vous à la préfecture. Il y a une dame qui me reçoit, elle m'a reconnue. Vous savez, hein, elle m'a reconnue, elle m'a dit, ah, c'est toi, Lolo Beauté. J'ai dit, oui, je suis venue en ce moment, j'étais avec le père de mes enfants. On est venu s'asseoir. Il dit, non, vu c'est vous, le père, il a fait sortir ses papiers. Elle regarde. Oh. Elle dit, mais ma chérie, tu as tous des enfants, hein. Mais amène-moi, où est l'attestation de la CAF? J'ai dit, mais madame, c'est quoi la CAF encore? Que moi, je vends mes produits, j'ai une entreprise, j'ai de l'argent. Elle dit, non, ici. Quand tu accouches en France, les enfants ne t'appartiennent plus. Mm-hmm. Quand tu accouches ici, là, même si la CAF ne te verse rien, tu dois avoir une attestation de la CAF. Tu dois aller déclarer tes enfants à la CAF parce que tes enfants ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à l'État français. Tes enfants sont français. J'ai dit, ah, moi j'ai cru que c'est quand on n'a rien qu'on s'en a la CAF. J'ai dit, non. Hein. Tous ceux qui sont en France ici, là, on leur demande les papiers des enfants à la CAF. Ils sont déclarés. Même si tu touches 1 million de francs CFA, il y a des calculs qu'on fait. Si tu n'as droit à rien, on te dit que tu n'as droit à rien, mais tu dois. C'est une obligation de déclarer tes enfants à la CAF. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, ah bon, c'est une obligation. J'ai dit, ok, dis madame, moi je ne peux pas. Oh. Voilà, il y a une qui dit, il y a Nana Benchi qui dit, je peux confirmer, ce jour j'étais à la préfecture. Quand moi je parle les preuves. Merci. Voilà Dangadigi Naha qui dit, elle était à la CAF avec moi. Parce que quand je vais à la CAF, là, quand je vais à la préfecture plutôt, il y a beaucoup de noirs qui me reconnaissent. Oui. Mais tu es une star. Donc, je viens pour vous dire qu'on n'est pas même chose. Moi, mon présent, là, il sent bon. Mon passé sent bon. Mon futur, même, il est royal. Oh, c'est la gloire totale. Viens, je vais te donner du travail. Parce qu'on n'est pas même chose. Donc, ainsi, donc, la femme me dit, pour qu'on puisse te donner tes papiers, là, il faut que tu nous envoies une attestation de la CAF. Elle m'a demandé si j'ai l'application. Parce que quand tu es déclaré à la CAF, il y a un numéro qu'on te donne et puis il y a un code. Donc toi-même, tu peux télécharger tes attestations à la maison. J'ai dit, mais moi, je ne connais même pas même la route même de la CAF même. En fait, c'est ça le problème. Elle dit, oui, retourne, va à la CAF avec les papiers de tes enfants, tes extraits de naissance de tes enfants, les papiers, tout. Et puis, il faut aller là-bas. Ils n'ont qu'à te délivrer un papier qui prouve que ils s'en foutent si on te donne l'argent à la CAF ou pas. Ça mais il faut nous donner, comment on appelle ça, un papier de la CAF. Mm-hmm. Ainsi donc, j'avais un mois, c'est-à-dire ma césarienne était encore fraîche. J'étais fatiguée, regardez comment je m'adossais. Hey. C'est-à-dire celle même qui a pris la photo pour la retrouver, c'est très facile pour lui créer des problèmes. Mais je ne suis pas venue en France pour créer des problèmes aux gens. Non. Le monsieur là, pourquoi il a caché son visage? Parce qu'il travaille à la préfecture, lui seul il peut témoigner. Donc quand je suis venue à la CAF, j'ai dit au monsieur, je ne connais rien. À cette histoire de CAF là, que la préfecture me demande de venir, comme on appelle ça, demander une attestation de la CAF. Il dit, mais tu as déclaré tes enfants. Je dis, mais je ne sais même pas comment on déclare. J'étais sur la machine. Il y a des personnes qui pensent que où j'étais à la machine.
machine, elle est en train de me donner l'argent. À la CAF, là, on ne donne pas l'argent aux gens pour dire voilà l'argent. On te verse ça sur ton compte bancaire. Donc les pauvres, là, ils pensent qu'ils ont vu une nouvelle. Cette photo, là, c'est quand Yaka Yaka en 2019 qui a mis ça sur Facebook. Donc vous, là, vous ne racontez rien de nouveau. Les cafetières, vous ne racontez jamais rien de nouveau. C'est toujours des embrouilles. Donc c'était sur le monsieur à aller à la machine, c'est un ordinateur puis il y a une imprimante. Il dit non, je vais essayer de faire sortir, comment on appelle ça, une attestation. Il va me créer mon mot de passe, il va faire. Il est en train de manipuler là-bas pour me donner un papier, parce que quand je suis sortie de la préfecture, la femme m'a dit tu as 2 semaines pour revenir avec tous tes papiers, sinon on te donne pas ton récépissé de titre de séjour. C'est ainsi donc que le monsieur que vous voyez à côté de moi là, il travaille à la CAF, il m'aidait à trouver ce papier là. Si j'étais payé par la CAF, je reste à la maison, j'ai mon code, je tire mon papier. Parce que dès l'instant là, on m'a donné maintenant mon code. Tout le monde, tous les enfants sont déclarés, même enfant de président est déclaré à la CAF. Yes. Mais c'est pas pour dire que comme tes enfants sont déclarés à la CAF, on te donne des millions, tu vis pas de la CAF. Hein? Quand tu as un salaire fluctué, moi je suis chef d'entreprise ici en France, une fois que tu as une entreprise, tu ne peux pas toucher la CAF. Tu ne peux pas toucher, comme on appelle ça, le RSA. Vérité. Tu ne peux pas toucher l'APL. Vérité. Parce que tu as assez d'argent, c'est des calculs qu'on fait. Allez-y encore vous renseigner. Maman, je suis chef d'entreprise. Donc c'est ici, parce qu'il y avait des fans qui m'ont dit non, Lolo. J'ai dit non. Regardez bien la Lolo d'avant là. Regardez comment elle était sèche. Regardez comment j'étais fouin. Quelqu'un qui ne peut même pas se tenir, je suis obligé même de m'accroupir parce que la césarienne était encore fraîche. Je voulais vite avoir mes papiers pour tchala pour aller voir mes entreprises. En Côte d'Ivoire, comment je parle là? C'est lucide. La préfecture de Nanterre est l'une des préfectures les plus assidues de la France. Si tu as eu tes papiers à Nanterre, ma soeur, tu vas mourir avec ton franco de l'eau. Non. Je suis 10. Et quand je parle, ça c'est lucide. La dame m'a appelé, mais c'est que vous ne savez pas. Une fois que tu as eu tes papiers un an, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Mais moi, comme je vous aime, on dit faut pas qu'on va se soutenir quand on sera dans la mort. Moi, je vous soutiens quand on est dans la vérité. Quand tu as eu tes 1 an de titre de séjour, le père de tes enfants, là, ne vient pas l'exposer. Ne vient pas l'insulter. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, lorsque tu vas aller renouveler tes papiers, soit on a besoin de la présence du père des enfants, ou soit on a besoin d'une note signée par le père qui déclare que oui, la mère s'occupe très bien de mes enfants, c'est ceci. Mais si le père ne te donne pas ce papier-là, tu ne pourras pas renouveler tes papiers. Donc les personnes qui vous blaguent lorsque vous avez un an pour dire faut insulter le papa de tes enfants, un homme qui t'a fait du bien. En France, ici, la première des choses, ton premier ange, c'est la personne qui t'a offert les papiers. Grâce à lui, tu as eu tes papiers. Parce que lui, il peut faire tout, mais reste en bon terme avec lui. Reste, il y a des blocs les commentaires bande de cons là. Je suis là. Tu restes en de bons thèmes avec lui. Parce que s'il veut qu'on t'arrache tes papiers, ça peut pas aller à la justice. Il va dire que je ne suis pas au fait de mener des enquêtes. Elle s'occupe très mal de mes enfants. Elle fait ceci et puis ton papier. Ici en France, toi la mère, on te regarde pas. On peut t'arracher tes papiers, mais tes enfants ont leurs papiers. Donc soyons très intelligents. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont duré ici en France, ce sont des sorcières. Elles vont te dire non, faut te mettre à dos le père de tes enfants. Si vous partez à la justice, mais quand tu vas aller renouveler tes papiers, c'est en ce moment précis que tu vas comprendre que le père de tes enfants est très important. Je pouvais te cacher cette information, mais je viens te le dire. Parce que moi, la préfecture, ils m'ont demandé quoi, madame? Tes enfants, quand ils partaient renouveler mes papiers, ils ont dit montre-nous la preuve des virements que le père de tes enfants te fait chaque mois. Il est tiré sur mon compte là chaque mois les virements que le père fait à mes enfants, voilà, les pensions. Tu viens de déposer les preuves que le père s'occupe. Avant, c'était aux hommes on demandait. Les hommes qui ont marié des Françaises là. Mais maintenant, quand tu es femme, que tu as un enfant français, on te demande la preuve que le père s'occupe de ses enfants. Et puis, c'est pas preuve d'embauche, hein, pour venir dire que oui, non, il s'occupe de mes enfants. Non. Les virements sur ton compte. Ici en Europe, nous les parents, nous ne sommes rien.
les enfants sont nos dieux. Voilà pourquoi moi, mes enfants là, ce sont mes patrons ici en France. En tout cas, ce sont mes patrons. C'est à cause d'eux que j'ai eu mes papiers. C'est à cause d'eux que je suis payé. C'est à cause de mes enfants que je paye le perroquet. Yes! Donc je lui ai dit, moi, mes enfants sont ton dieu. Moi-même, mes enfants, non, laisse affaire de somme, on me connaît. Donc moi-même, mes enfants sont mon dieu. Parce que lorsque tu vas renouveler, ton mari doit, c'est-à-dire ton concubin, lui qui a mis le sperme là, il doit écrire une mention pour dire, je m'appelle tant, tant, tant. Oui, 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 je reconnais que la mère, elle s'occupe, et voilà, voilà. Non, avant là, c'était les garçons qu'on stressait un peu. Les garçons qui enceintaient les femmes françaises. Là, c'est... Mais maintenant là, même si tu es femme, que tu as fait un enfant avec un français, quand tu t'as renouvelé tes papiers, on te dit, où est la note? Où sont les preuves que le père s'occupe? Parce qu'il y a beaucoup qui font du faux. Voilà pourquoi quand il y a des personnes qui s'élèvent pour dire, toi, là, le bouton, t'as arraché tes papiers. Le père de mes enfants m'appelle, il dit... Il n'y en a pas un mot d'ya. Je te dis que non, quand tu es français, c'est bon. Hey! Le père de mes enfants, il est né français. Yeah! Il n'est pas devenu français, il est né français. Yeah! Je dis, c'est en ce moment qu'on arrive à la préfecture, j'ai vu que quand on te donne papier français puis tu es né français, là, vous n'avez pas le même langage. Je dis, quand la dame a dit non, il faut le papier, il dit, madame, j'ai pas que ça à faire. Elle dit, non, monsieur, calmez-vous. Et tout ça. Il dit, mais pourquoi tu cries? Il dit, ma soeur, moi-même, tu penses que moi, on m'a donné papier comme ça? Écoute, wesh, je suis wesh, je suis wesh. J'ai dit, non, faut aller doucement, faut parler avec la politesse. Parce que tu vois, il y a des wesh qui sont un peu impolis. C'est moi, je le maîtrise seulement. Il dit, faut te taire un peu, tu parles trop. Il n'est pas connu, mais papa, tu viens crier ici. Toi, t'es déjà français, pardon, faut te taire. Parce que lui, il est beaucoup nerveux aussi. Il dit, bon, c'est à cause de toi. Il dit, pardon, j'ai allé faire. Ça, en ce moment précis, il dit, ah, donc on est né français, là, c'est pas la même chose qu'on devient français. Hein. Ah. Et oui, c'est pas la même chose. Donc quand les gens s'élèvent pour dire, on va arracher les papiers, ils disent, laisse ces petits cons là. Ces petits singes là. Ils vivent sur ma terre. Laisse les petits cons. Quand le wesh même parle, même tu sens ça. Yes. Et puis il a une grosse tôle, c'est bizarre de voir un wesh avec une grosse tôle. Parce qu'il y a tous les moyens chimiques ici là, mais vraiment, il m'a pompé. Il dit, laisse, ils sont sur ma terre. Il n'a qu'à essayer. S'il n'est pas né français, moi je lui arrache ses papiers. Yeah. Je lui dis, bébé, je suis tranquille. Parce que je mets un bordeaux. Ce qui fait mal à beaucoup de personnes, c'est qu'il y a deux filles françaises. Uh-huh. C'est-à-dire, quand je voyage, je mets un bordeaux ici, un bordeaux ici. Un papier français ici. Il y a deux mamans. Mon soutien est relevé comme en ça. En tout cas, bordeaux. Maman, brocoto, maman. Brocoto, yeah, brocoto, le passeport bordeaux. Le passeport bordeaux. Le passeport bordeaux. Le passeport bordeaux de mes deux jumelles. Donc, ma petite, uh-huh. ou bien mon petit frère, uh-huh. toi qui viens gueuler, oui, elles sont touchées la ligne de la CAF, maman. Et puis, un conseil à des femmes, uh-huh. l'argent de la CAF qu'on vous donne, c'est pas pour vous. Quand on dit, je ne vis pas de la CAF, là, il y a des personnes, là, ils sont en prendre RSA, ils sont en prendre APL, hey. Ils sont en voir des assistants sociales pour dire qu'elles sont pauvres. C'est de ça qu'on dit, tu vis de la CAF. Cela, il y a des femmes qui travaillent, mais on paye leur enfant. Oui. C'est pas parce qu'une femme touche l'argent de la CAF qu'elle est pauvre, non. Mm-hmm. On dit la CAF te délivre une aide aux parents. On dit une aide pour tes enfants. Mm-hmm. Et non pas pour toi. Donc si tu es intelligente, là, quand on te verse, ne serait-ce que 50 euros, ouvre un compte pour tes enfants. Je vais vous montrer le compte de mes enfants. Volume. Je vais vous montrer, même si c'est 5 francs qu'on me dit, c'est pour tes enfants. Je vais vous montrer le compte de mes faut enfants. Faut montrer. Moi, je parle à preuve. Yes. Vous allez voir les comptes de mes enfants. C'est sur mon application, c'est sur mon portable. Donc, je tape là. Mes enfants sont riches. La richesse. Mes enfants sont riches. Mon compte, c'est quoi? Mon compte, vous savez, hein? Voilà, je mets mon compte. Oui, 1350. Tranquille. Et on va vous montrer le compte de mes enfants. Hey. Tranquille. Elles n'ont que 2 ans. Mais tout ce que... elles perçoivent, ne serait-ce que même de la CAF, même si c'est 5 francs. Parce qu'on te calcule en fonction de tes moyens, on te dit voilà ce que tes enfants doivent toucher. Mm-hmm. Et puis, ça ne peut pas te faire vivre même, c'est pour les enfants. Il y a d'autres qui prennent ça pour manger. Hé, hey, maman, je suis maman, on a 2 avions. La femme qui paye billet d'avion et qui ne se fatigue jamais. Yes! Tranquillement, tranquille. Hé, hey, maman, yeah, attends, je suis sur mon compte pro, hé, hey, je suis sur mon compte business. Excusez-moi. Parce que j'ai mon compte de mon entreprise. Excusez. Et puis voilà, j'ai le compte principal où j'ai le compte de mes enfants. Ok, je l'ai retrouvé. Ayez des comptes pour vos enfants. Mettez-moi mes cœurs et puis partagez le direct. J'ai donné des exemples aux femmes qui vivent ici en France. Voilà. J'ai le compte de mes enfants. Uh-huh.
C'est-à-dire de zéro, on y investit 50 euros. C'est-à-dire leur compte là, c'est intouchable. 50 euros chaque fin du mois. Ça, c'est pour elle. Personne ne touche. Voilà, personne ne touche. Personne ne touche. Personne ne touche. Tranquillement, tranquille. Attends, je rentre sur leur compte. Rentre là-bas. Je rentre sur leur compte. En tout cas, 18 ans seront riches dès. Hé, hey, maman. T'as venu parler à Kéké. T'as venu parler à Kéké. Voilà les virements que je fais. Vous allez voir Makoso Luz, Makoso Luz, Makoso Luz, Makoso Luz. Ce n'est que des virements que je fais à mes enfants. Je n'ai pas besoin d'attendre. Regardez bien. Regardez où est les 50 euros. Je vis. Voici la vérité. 50 euros chaque fin du mois. Voici la preuve. Voilà, Makoso Luz en haut. Makoso Luz, Makoso Luz, Makoso Luz, Makoso Luz. Voilà, Makoso Luz, Makoso Luz. Ça, c'est le compte de mes enfants. Hein. De une. Mm-hmm. Elle-même a presque 1 million dans son compte. Hey. Voilà, c'est des virements que j'ai fait. Mm-hmm. Voilà, on a vu, c'est le livret A de mes enfants. C'est le livret A de mes enfants. Ça, c'est pour une. Voilà. Parce que c'est les mêmes soldes qu'elles ont. C'est de ça c'est l'argent même qu'elles ne touchent pas. Elles ont 2 ans. C'est-à-dire, elles-mêmes peuvent régler ton problème d'aller à Bichon. C'est le compte de mes enfants. Yes. Quand on fait un enfant, c'est fait pour qu'on s'en occupe. Chaque fin du mois, mes enfants, là, jusqu'à ils auront 18 ans, faut calculer 50 euros. Elles ont 2 ans. Jusqu'à ils auront 18 ans, ça fait combien sur leur compte en banque? C'est 100 d'une maman 5 étoiles. Yes. C'est 100 d'une mère 5 étoiles. Yes. Tranquillement, tranquille. Donc, je dis aux femmes qu'on dirait que Lolo Beauté en France ici. Ouvrez des livrets A pour vos enfants. Ah. Et puis, mettez l'argent dedans. Lorsque les enfants ont 18 ans ou bien 17 ans, ils vont passer leur permis. Ça peut leur permettre de prendre leur maison. Ça peut leur permettre de payer leur voiture. Moi, mes enfants, ils vivent comme des princesses. En tout cas, des... J'ai... mes enfants qui sont à Abidjan, ils ont leur compte. Ils ont leur maison. Les jumelles, même en maison. Maman. Tu es venu parler à une femme comme ça? Yes! Moi, on discute pas avec moi, parce que je suis chef. Je suis chef! Tranquille! Tu veux pas être donc, chef? Donc, tu veux ou tu veux pas? Oh. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, les chiffres que la CAF dit, malgré tes millions là, tes enfants là, ils ont droit à ça. Yes! Moi-même, je complète un peu. Un peu. Et puis, je dis chaque fin du mois. Mm-hmm. Je ne vis pas et c'est automatique. On vit les 50 euros. Je n'ai même pas besoin de toucher l'argent des CAF. Il y a des virer ça là-bas. Tranquille. Maintenant, le jour, ils seront comme milliardaires. Ils vont dire, mais tes enfants n'ont droit à rien, n'est même pas un centime. Il a dit, c'est pas grave. Quand elles auront 18 ans, elles ont au moins le minimum d'argent pour louer leur maison, pour payer leur voiture. Avec 12 000 euros, tu peux louer ta maison. Tu peux payer ta voiture, tu peux faire ton permis de conduire. C'est-à-dire, à 18 ans, leur avenir est déjà certain. Tranquille. Tu vas venir parler à une mère comme Lolo Beauté. Moi, je suis une mère 10 étoiles. On ne fait pas un enfant pour profiter de cet enfant. Mais on fait un enfant pour s'en occuper. Moi, je paye des gens pour s'occuper de mes enfants. Et je paye plus de 1000 euros pour qu'on s'occupe de mes enfants. Voilà pourquoi je suis toujours en 2 avions. Mm-hmm. Ici, en France, là, enlever 1000 euros et puis donner à quelqu'un, c'est-à-dire que c'est le minimum. Plus de 1000 euros pour donner à quelqu'un pour dire occupe-toi de mes enfants. Ça fait 655 000 francs, frères CFA. La CAF ne peut pas me verser ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu t'attaques à une lionne qui peut t'embaucher. Je t'ai dit, hein? En fait, quand moi je regarde, j'ai pitié. Hey. Va couper une nyam. Et donne-nous la preuve que tu n'as pas mouru deux frères. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Diplomatique. Et puis la cape, ça ne dure pas. Oh. Une fois que tes enfants grandissent, là, c'est fini, tu ne perçois rien. Ah, voilà pourquoi il y a des femmes en France ici, là. Elles ont 50 et puis elles continuent à travailler. Parce qu'elles ont passé leur temps à pondre des enfants. Maintenant, lorsqu'elles n'ont plus droit à rien, bon, tu vas vivre de quoi? Tu es obligé d'aller travailler. Donc, travaille le temps que Dieu t'a donné la force. Travaille, travaillons vivant. Donc, pour revenir à ce petit malhonnête, là, ça c'était en parenthèse, voilà. Oh, parce que quand tu tapes trop sur les pauvres, la pauvreté te contamine, s'il vous plaît. Est-ce que je suis bien habillée? Vous aimez cette tenue? Tranquille, vous savez, j'aime beaucoup les combinaisons parce que j'ai un style un peu garçon manqué, là. Uh-huh. Donc, je n'aime pas trop, voilà. J'ai un style un peu garçon, là, tranquille. Maya! Ma bouche que je prends pour parler là, c'est pas sexy de ta maman. Je parle et puis toi tu viens m'écouter. Donc toi et moi qui est boss. Qui est intelligent. Lolo, tu parles trop. C'est parce que je mets bim. Quand vous trouvez que je parle trop, je suis chef d'entreprise. Maman a 2 avions. Et Maya. Une mère, maman. Une mère certifiée. Attention, hein.
Tranquillement, tranquille. Lady Sonia m'inspire. Parce qu'elle a de la classe en elle. Elle a du potentiel en elle. Elle a du savoir-vivre, tranquille. Donc, copions-nous vivants. Copions-nous vivants. Yes! Donc, je vais citer le nom de ceux qui ont partagé avant de revenir à ce maudit depuis le sperme de sa maman. Pose partage. Pose partage. Commencez à partager. Parce que commencez à citer les noms. Ouvrez des comptes pour vos enfants. Et puis, ne vous mettez jamais à dos vos maris qui vous ont donné des papiers. Parce que pour renouveler, tu auras besoin de lui. Maman! Ceux qui te blaguent, là, ils ne vont pas venir te soutenir. Ils ne vont pas venir. Donc, je vais regarder les pauses partagées. Moi, je t'aime, donc je te donne les secrets. Oh. Réconcilions-nous vivants. Voilà, je regarde les partages. Je ne vois pas assez de partages. Regardez, je ne vois pas assez. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir de produits gratuits. Vous ne voulez pas avoir de produits gratuits. Rien de la beauté. Ça sent l'argent sur elle. Ça sent la fraîcheur, l'élégance, le potentiel. Yes. Comment? Aucune transpiration en elle. Une femme classe. On dirait même pas que j'ai fait 5 enfants. En tout cas, des... Est-ce qu'on dirait que j'ai fait 5 enfants? Oh, ne me dites pas que je suis belle. Vous savez, je n'aime pas ça. Oh, non, c'est trop je n'aime pas qu'on me dise que je suis belle. Oh, seul Yaka Yaka peut me le dire. Oui, c'est Mikramba. Oh, j'ai deux amoureux. Maman, vous le reste, restez là. Je commence à balader. Maman, il y a dit que vous ne voulez pas gagner les gammes de produits. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, oui. Pour avoir un teint propre, soigné, élégant, maman, que tu sois noir, il y a les gammes de produits de teint noir. Si tu es clair, il y a la gamme des clairs. Si tu es métisse, il y a la gamme des métisses. Donc, pour contacter Lolo Beauté, c'est en WhatsApp au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Pour avoir une très belle peau, viens m'aider. J'ai regardé l'homme de partage et j'ai cité les noms. Ouh là 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 là, je vous aime. Vous savez, moi, Lolo Beauté, je n'ai aucune haine en moi. En tout cas, ben, c'est voilà ça pourquoi mes affaires marchent. C'est ça, Dieu te bénit. Une femme qui a la haine, qui a tout le temps envie de faire du mal, tu vois que ta vie va ralentir. Tu as dit, on peut se taquiner, on peut se pincer au passage, mais avoir la haine même, de manière naturelle, ça te vieillit. Ça te vieillit, ben. Ça te vieillit. Donc, il ne faut pas avoir la haine. Sur Facebook, souvent, on s'en gratiné, on s'en cherchait un peu les petites histoires, voilà, pour se faire remarquer. Mais pas avec la haine. Parce que là maintenant, tu troubles ton sommeil. Je t'ai dit, hein. Pas avec la haine, mais avec le sentiment que c'est un jeu. Voilà. Maman, c'est un jeu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un jeu, sinon je t'aime. Tranquillement, tranquille. Je vais regarder le nombre de partages. Pour celles qui partagent, regardez une. Elle m'a tué. Elle m'a tué. Elle m'a tué, maman. Regardez. Elle a fait 43 partages plus 65 partages. Comment elle s'appelle? Mélissa Essono. Mélissa Essono. Tu veux, je t'offre. Viens m'aider. Mélissa Essono, dis-moi ce que tu veux. C'est les partages comme ça, on cherche. Maman. Nelly. Oh, Stéphane, arrête de me dire que je suis belle, Nelly. Je n'aime pas ça. Donc Nelly, elle s'appelle comment? Attends, j'aime que tu as gagné. Oui, 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 oui. 42 partages. Donc c'est comme ça vous m'aimez, j'aime que tu as gagné. En tout cas. Quand j'ai dit tu as gagné, tu m'envoies ton numéro en même temps. Yes. Voilà, je regarde encore. Ça fait une personne. Tranquille. Ça fait une personne. La dernière fois, il y a Yasmine Fofana qui me dit, la dernière fois tu as dit mon nom. Mais Yasmine Fofana, envoie-moi ton numéro sur Messenger. Envoie-moi ton numéro. Si tu es en Afrique, je te donne. Mélissa Esso, tu as gagné. Mettez beaucoup de j'aime sur le commentaire de Mélissa Esso. Et donne-moi ton numéro. Ton numéro. Eh hey, Seigneur. Ton numéro. Donne-moi ton numéro. Mm-hmm. Voilà. Envoie-moi ça. Je m'en vais dans mon WhatsApp pour voir ceux qui ont partagé. Partagez dans plusieurs groupes. Et puis amenez-moi ça. Je t'offre une gamme de produits. Ouhou. Je vois le 0389 82 78. Je mets tu as gagné. Oui, tu as gagné. Je partage les gammes de produits gratuits. Yes. Oh, aujourd'hui, j'ai une onction de partage. Yes. J'ai une onction de partage. Yes. Ignore, tu as partagé 42 groupes. Tu as partagé où? Faut m'écrire maintenant. Capture. Quand je suis sur mon téléphone, c'est ce moment précis, il faut envoyer la capture. Ah, sinon, après, tu m'écris, tu mets point, ça revient devant. Oui, oui, je vois une
qui a partagé 43 ça? Groupes. Ouh! 65 groupes. Ouh! Oui, maman. Maman, Ouh! Tu m'as tué. Elle est en France ici. Ouh! Ouh! J'ai envie de les partager. Ma folie. Oh! Oh! Yeah! Ma folie. Ma folie de distribution. Ma folie. La distribution. Oh, non, ça, c'est petit. La folie de distribution. La folie. La folie. Je ne la vois folie. Pas. J'ai eu deux personnes. J'ai eu deux personnes. Maman, commencez à envoyer vos partages. Yes. Commencez à envoyer vos partages. Commencez. Je vois Fofana m'envoyer. Uh-huh. Bon, j'ai fait capture d'écran. Ma secrétaire t'appelle tout à l'heure. Uh-huh. J'envoie ça à Makoso Angeline. Uh-huh. Ma secrétaire, c'est Makoso Angeline. Uh-huh. Voilà, je travaille en famille. Ah, mais c'est ça. Ah oui. J'envoie ça à Ange, uh-huh, rapidement. Ouh, ouais, Angeline, voilà. Uh-huh. Les gagnantes. Uh-huh. Fofana, ne t'inquiète pas. Ma secrétaire va t'appeler. Yes. Voilà, parce que tu as gagné. Tranquillement, tranquille. Toujours. Fofana se plaignait, elle dit, moi j'ai gagné depuis. Quand vous gagnez là, boostez-moi en même temps. Voilà. Là, vos produits en même temps sont distribués. Je regarde encore. Uh-huh. Je regarde encore. Uh-huh. Qui a partagé? Uh-huh. Qui a partagé? Les femmes. Uh-huh. Soyez des femmes distinguées. Soyez des femmes qui des impacteuses. Regardez. La dame qui m'a appelé pour me dire, Lolo Beauté, ils m'ont coupé tous mes droits. Tu m'excuses si je parle de ça, je ne vais pas dire ton nom. Non, jamais. J'ai eu pitié. Parce que je lui ai posé la question. Mais quand tu allais renouveler tes papiers, tu as donné les preuves que le père s'occupe de tes enfants. Mm-hmm. Elle me dit, non, Lolo Beauté, c'était de main en main. Elle dit, mais non, on est en Europe. On est en Europe, c'est... Ne nous comportons pas comme les gens de l'Afrique. Surtout que tu dépends de tes papiers. Surtout que pour aller travailler, tu as besoin de tes papiers. Elle dit, hé, Lolo, après, quand j'ai eu mes papiers, c'est après, maintenant, elle m'a donné la vraie version. J'ai dit, le père de mon enfant, il a commencé à mal me comporter, lui. Hmm. J'ai commencé à voyager. Hey. J'ai commencé à faire ceci. Quand il m'écrit, non, c'est rentré ici, non, je lui parlais mal. Qu'aujourd'hui, là, j'ai honte. Je lui demande pardon pour qu'il puisse me donner l'attestation qui prouve que je m'occupe bien de mes enfants. Il ne veut pas me donner. Lolo, il a dit, mais c'est pas ce que seulement tu lui as fait. Aujourd'hui, on est toujours les premiers à accabler les hommes. Pour dire que les hommes sont mauvais. Pour dire que les hommes sont ceci. Mais ce qu'on oublie, un homme qui est aussi mauvais que ça peut te donner papier. Il y a des hommes qui font des enfants avec des femmes et qui disparaissent. Mais un homme qui a pris ses papiers pour te dire, tiens, va à la préfecture, va faire ceci. Uh-huh. Mais tu as eu tes papiers, c'est ton Dieu sur cette terre. En tout cas, il faut le respecter. Malgré tout ce qu'il fait, il faut le respecter. Parce que c'est grâce à lui que la CAF te donne 5 francs. C'est grâce à ses papiers qu'aujourd'hui on te donne maison. À un homme, il ne peut pas y avoir que du bon. C'est clair. Il peut y avoir aussi du mauvais. Mais quand un homme t'aide, toi-même aide-toi après. Quand un homme te vient en aide, mais après toi-même aide-toi après. On ne va pas toujours passer un autre temps pour dire que l'homme est mauvais. Bon, demain, si l'homme ne te donne pas ses papiers pour que tu ailles renouveler tes papiers, en ce moment précis, tu vas trouver que ce monsieur, c'est un démon. Ah, voilà. En Europe, ici, sans papier, tu n'es rien. Voilà pourquoi quand le perroquet est venu dire la première des choses, ce sont tes papiers. Merci là-bas. La première des choses, ce sont tes papiers. En tout cas, tu as dit que tu sais. Et l'homme avec qui tu as couché et que tu vas faire sortir le métis, mm-hmm, et qu'il te donne ses papiers, c'est ton Dieu sur cette terre. Même si demain, vous n'êtes plus ensemble, gardez de bons rapports. C'est clair. Parce que la vie de France est difficile. La vie de France est capricieuse. Il y a des personnes même qui peuvent t'aider à avoir tes papiers. Mais pourquoi demain venir leur tourner le dos? Mm-hmm. C'est méchant. Très méchant. On est sur une terre étrangère. Et lorsque tu arrives sur une terre étrangère, faut savoir comment te comporter. Faut savoir comment marcher. Faut savoir comment te tenir. Demain, Dieu va te bénir. Tranquille. Maintenant, toi, le petit César, ton loup, non. Hey. Ton film que tu aimais regarder, là, c'est pas le César qui était l'empereur. Oui. C'était quoi la même, là? Mm-hmm. Hercule ou même quoi la même? Voilà. Tu te rappelles de ton... Parce qu'on se mougou beaucoup là-bas. Spartacus. Ma soeur, là, elle est mougou. Moi, elle baisait des... Mimi est mougou. Je joue même pas le baramé. Le perroquet. Hey, c'est toi le perroquet, tu nous as plagié, là, tu sais mougou. Hey. Moi, mon perroquet, c'est mougou. Aïe. Il dit, qui a regardé Spartacus? Spartacus! Maman, hey. Si tu ne sais pas faire l'amour, va regarder Spartacus. Hey. Parce que là-bas, on t'apprend les vrais plans. Les vrais plans. Les vrais débouquets. Pam, pam. Ma
soeur regarde Spartacus, ah, mon frère est possédé par un esprit de testicule froissé. Elle regarde Spartacus jusqu'à 2h, 3h. Souvent, oui, je me réveille à 6h et je suis Spartacus. Elle dit, mais le perroquet, tu cherches quoi? Elle dit, ouais, il y a les vraies positions. Tu vois les guerriers là, quand j'attrape les femmes là, je dis, hé, le perroquet est gâté. Je dis, le jour le perroquet a venu faire une direct, vous allez quitter Facebook. En tout cas, vous allez. Vous pensez que moi je suis gâté? Elle est plus pourrie que moi. Maman n'a pourri, man. C'est moi. Donc, mon petit César, quand on a 21 ans, quand on connaît beaucoup de cons, on n'est pas un enfant. Faut dire encore. Arrête de mélanger des personnes. Arrête. Quand on est intelligent pour créer une structure, on est intelligent pour ne pas venir mélanger des personnes. On est intelligent pour ne pas venir dire, celle a dit ça. Mais tu n'avais même pas même le droit, même, au fait, d'aller à la télévision et puis dire que c'est Éloge le chauve qui c'est m'a dit clair. D'aller. Au fait, il y a des secrets, on ne doit pas dire. C'est clair. Même si c'est Éloge qui t'a dit d'aller, comment on appelle ça, d'aller au Burida. En tout cas, pour ça, tu devais fermer ta gueule. Parce que quand on est intelligent, on est sage. C'est clair. Un homme qui est beaucoup intelligent devient beaucoup sage. Mm-hmm. Mais toi, si on vérifie même ton âge, ils ont coupé dessus. Parce que quand ils regardent ta dentition, tu as les dentitions d'un homme de 41 ans. Tu n'as pas les dentitions d'un homme qui a 21 ans. Parce que moi, quand quelqu'un parle, je regarde beaucoup sa gueule. En tout cas. Si la personne a une grosse langue, je dis, c'est la bouche des personnes qui aiment beaucoup mentir. Tu aimes beaucoup mentir. Compliqué. Parce que Dieu même a tout mis dans notre gueule. Maintenant, toi, César, tes dents en catastrophe là. Escalier. Quand moi-même, j'ai regardé tes dents et dit, voilà, quelqu'un qui va créer des faux problèmes aux gens. Parce que tu as les dentitions de quelqu'un, d'un fumiste, qui met les gens en palabre. Parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais quand il ouvre ses dents là. Yeah. Parce que tu as pitié derrière de ses dents, tes frères. Uh-huh. Et puis tu as pitié en même temps quand tu ouvres sa gueule. Et puis tu es là maintenant, tu dis, André, c'est qui? Parce que tu n'as pas envie de trop le regarder dans sa bouche. Et là, tu appelles sa tête, tu dis, Il dit, oui, c'est ce qu'il dit, Parce que tu as honte de regarder ses dents. C'est les gens des personnes, il faut s'en méfier. Les gens avec une grosse bouche. Et ça dit, bouche, ça c'est des bouches pulpeuses. Voilà, respectez-moi, vivant, Parce que les femmes qui ont une large bouche comme Lolo Beauté, c'est les femmes qui disent beaucoup la vérité. Respectez Lolo Beauté, je ne suis pas mon camarade. Une femme qui a une large bouche, c'est une femme qui ne garde pas secret. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle garde secret, sa bouche s'enfle. C'est clair. Moi, comme mon ventre n'est pas secret, parce que ma bouche va s'enfler, non, je préfère venir dire la vérité. Choucou, choucou, puis passer. Parce qu'une femme qui a grosse bouche, quand elle ment, ça s'enfle. Le jour où vous voyez ma bouche a pris mon nez là, Lolo Beauté, tu es en train de mentir. C'est clair. Ah, Lolo Beauté, ta bouche était large, mais maintenant elle est devenue caniveau. Ta bouche ressemble à cuit de vache. Ça commence à être trop gros. Le jour où ma bouche arrive ici, là, je commence à mentir. Donc, moi, j'ai peur. Pour ne pas que ma bouche s'enfle, je commence à la dégonfler en disant la vérité. Donc, respectons-nous vivants et puis aimons-nous vivants. C'est clair. Disons-nous la vérité vivante. Ça épargne beaucoup de choses. Moi, là, côté, je ne suis pas en clash avec quelqu'un, ni aujourd'hui, ni demain. Mais je suis quelqu'un, j'aime donner beaucoup de conseils. Vraiment. Surtout aux femmes qui pensent qu'elles ont déjà tout ici en France. Non. Il faut lutter dur. Parce que le bonheur se retrouve demain. Moi, là. Je suis mon propre chef. On dit que je me lève de voyage quand je veux. Je reviens quand je veux. Il n'y a pas une assistante sociale qui a m'appelé pour dire, oui, madame, tes enfants sont... Tu as venu m'appeler pour me dire que quoi? Quelle assistante sociale qui va ici en France, je vous mets en défi. Une assistante sociale n'a qu'à essayer de dire, oui, toi, Lolo Beauté. C'est-à-dire, tu vas oublier ta notoriété d'assistante sociale. Les assistantes sociales, là, elles effraient que les femmes qui ne vivent que d'aide. Quand tu es une femme que tu ne vis que d'aide, quand on te parle d'assistante sociale, tu trembles. Parce que tu es toujours en train de pleurnicher en bas d'elle. Mais moi, tu as m'appelé, j'ai dit, bon, prenez rendez-vous parce que je suis une chef d'entreprise. Yes. Une fois que l'endroit est calé maintenant, j'arrive maintenant, j'ai dit oui. Avec un avocat à côté de moi. Que vous dites que quoi? Vous parlez que quoi? En Europe ici, là, ils ont beaucoup peur des femmes qui ont des avocats. Oui. Parce qu'ils savent qu'une femme qui a un avocat, c'est pas n'importe qui. C'est clair. Tu payes ton avocat chaque fin du mois. Que tu aies un problème ou que tu n'aies pas un problème, moi, mon avocat, il est payé. Mon comptable, qu'il y ait comptabilité ou pas, il est payé. Donc, imaginez le jour où j'ai un petit truc et dis, moi-même, je le paye cadeau. Allez, va faire ton travail. Et puis, blanc, bien sûr, et juif. Je ne prends pas la camelote, s'il vous plaît. Je ne prends pas la camelote. Comptable blanc, avocat juif blanc. Je ne prends pas que de la camelote, maman. C'est clair. Maman, ma vie chauffe. Ta
Ta vie chauffe, t'es? Ma vie chauffe. Mon compte en banque, même compte en banque, même des jumelles, ça chauffe. Même moi-même, mon compte chauffe. Faites chauffer votre compte, faites chauffer votre vie. Tranquille. Je vous annonce que le grand frère Yaka Yaka a son anniversaire. Souhaitons d'abord, ce mois-ci, c'est le mois de mon grand frère Yaka Yaka. Il est né ce mois-ci. Mon grand frère Yaka Yaka, moi, je ne suis pas une artiste en herbe. Je vais te fredonner une chanson. Tu vas voir que moi, je peux créer CD. En tout cas. Regardez, moi, je ne suis pas une artiste en herbe. Allons-y, mettez-moi mes cœurs et puis partagez. Quand j'ai fini de souhaiter joyeux anniversaire, en même temps, je cite le nom des dernières personnes. Partagez. Un, deux, et trois. Non, j'ai honte. Est-ce qu'il va chanter? Oh, attendez, mais mettez pas. Il n'y a pas assez de cœur. Mettez assez de cœur et puis partagez. Parce que, vous savez, une artiste, c'est la première fois que je prends le micro. Donc, il faille bien que. Voilà, encouragez-moi. Encouragez-moi. Parce que Yaka Yaka, c'est pas n'importe qui. Attendez, bien m'arranger. Est-ce que mon crayon est bien mis? C'est très bien mis. Voilà. Applaudissez. Mettez-moi. Mais applaudissez. Et Annie, t'es jaloux. Oh, attends aussi, y'a quoi? Toi, tu peux pas être manager d'artiste. Tu vas le stresser. Sa carrière va foutue. Sera foutue. Au grand frère Yaka Yaka. Voilà. Un joyeux anniversaire. Le Bazazunga. Attends. Faut pas trop parler. Ça maintenant, on rentre maintenant dans les durs. Okay. Est-ce que mes seins sont bien remondis? C'est très bien. Voilà, parce que lui, il fait attention à tout. Voilà, la ceinture, elle est bien placée. Très bien. Encouragez-moi, placé. Mettez-moi assez de cœur. Regardez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mon grand frère Yaka Yaka. Joyeux anniversaire. Beaucoup de cœur. Lolo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. On a des traits en commun. Yes. On fait sortir notre album. Yes. Maman, tu as venu parler à une femme qui est un perroquet. Tu as venu parler à une femme chef d'entreprise. Tu as venu parler à une femme, maman. Attention. Mon grand frère Yaka Yaka, en avance, je te souhaite joyeux anniversaire. Que de bonnes choses. Happy birthday to you. Happy birthday. Tranquille. Je regarde le nombre de partages. Yes. Maman. Même si les produits ne marchent plus, je serai chanteuse ici en France. C'est tout. Je ne vais jamais aller laver la scène de quelqu'un, mais maman. Couleurs, ça marche. Aïcha, tu n'as pas partagé aujourd'hui. Non. Regardez, Aïcha, Karamokoto aussi. Il ne faut pas mentir comme ça. Tu me dis Lolo Beauté, il est partagé dans 35 groupes. Où est les partages que tu as fait? Tu n'as pas partagé. Montrez les preuves. Maman, montre-moi les preuves. Si vous ne savez pas faire une capture, demandez à quelqu'un de vous montrer. Melissa, elle m'a envoyé son numéro. Donc, je garde Melissa, écris-moi en WhatsApp. Je garde ton numéro quand tu m'écris. Si tu es en France, aux États-Unis, si tu es en France, tu peux venir à mon adresse, 18 rue de Vizien, 92 400 Courbevoie, pour chercher tes produits. Si tu es loin de mon adresse, tu payes les frais de poste, je t'envoie. Ce n'est pas moi qui m'occupe des frais de poste. C'est vous-même, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà. Quand tu gagnes, il ne faut pas me pousser aussi. Voilà. Loin. Tranquille. Donc, voilà un peu. J'ai cité le nom. Je ne vois pas. Ok. Même si je coupe la caméra, que je vois qu'il y a d'autres qui ont partagé dans 50, 40 groupes, je vais vous offrir des gammes de produits gratuitement. Ça ne me coûte rien. Voilà. Ça me fait plaisir de vous partager des gammes de produits. Voilà. Parce que je me dis que c'est des femmes qui ont besoin. Il y a d'autres qui ont suffisamment de moyens. Mais bon,
Au lieu de venir payer une gamme à 300, à 400 euros, à 200 euros, bon, j'ai gagné. Bon, offre-moi ça gratuitement. Ce n'est pas de la mendicité, mais on est entre frères. C'est clair. Donc, si on peut se partager, vous me faites plaisir en partageant mes vidéos. Donc, vous faites aussi plaisir en vous offrant des gammes de produits gratuitement. Yes. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Je ne trouve aucune contrainte à vous donner des gammes de produits. C'est clair. Voilà une qu'à partager dans 35 groupes. Je mets, tu as gagné. Donc, je vous aime. Elle dit, mets le micro. La chanson est bonne. Voilà. Donc, tranquille, je vous aime, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Non, il chantait pour Yaka Yaka. Faut pas venir gâter les vieux artistes là après. Je sais que tu les aimes. Mimi adore les Young System. Ah, hein. Mais c'est la chanson des guerriers. Donc, bisous, que Dieu vous bénisse. Passez un très beau dimanche. Yes. Dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Voilà, Lolo Beauté. Voilà, n'est pas une mauvaise fille, n'est pas une mauvaise femme. Mais voilà, je taquine. Voilà, on prend pas les choses au premier degré. Facebook est fait pour s'amuser. Donc, amusons-nous vivants.